السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استنطاني استنطاني أنا استنطاني تابي 11h42 on est samedi. Je viens de me réveiller, alhamdulillah, j'ai pris une bonne petite douche. Presque plus de tabac là, j'arrive à la fin. Faudra que je dépanne du tabac, cousin. Inch'Allah. T'as vu? Everything's gonna be voilà, ça tourne, ça tourne. 1 minute 22. Ce que je vais dire dans ce nouveau live. Bon, on verra bien, hein, t'as vu? Laisse couler. Hein. Chier, je vais me fermer les tubes là, déjà ça prend du temps un petit peu, t'as vu. Puis là j'ai trop envie d'en allumer une. 11h43, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout mon time, t'as vu. Un café de Tchernobyl là, parce que là. Putain, dégueulasse. Alors, ah, peut-être c'est le café quand même, t'as vu, ça passe. Mais que rien. Quand t'es dans le lit de club, si tu veux, on te propose une roulée. Là. Tu vas la fumer, la rouler, mais tu vas être dégoûté, t'as vu. Encore une roulée avec un filtre ou un carton, ça passe, mais rouler comme ça, là, c'est plus comment. Tuto roulé, tutoriel. Nouvelle plus fan des tutos, donc voilà. T'as déjà vu, mon gars, j'ai la punchline que j'ai. Qui est sortie de ma rondelle, t'as vu. Le gars il veut s'en sortir à tout prix, mais il s'en bat les halouettes. Il s'en bat les couilles, t'as vu? Il s'en bat les yoko. Elle déchire sa main, c'est un punchline, putain. Contrairement à monsieur. À monsieur Younes Watik, le porteur des joies, quoi, tu sais. Ah, lui il veut s'en sortir à tout prix, Zobi, mais. Il a dû lécher les couilles de toute la terre, Zobi. Qu'est-ce qu'il fait Younes Watik, Aïch Larham, comme le Walidin, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qu'il fait Younes Watik en Palestine, là, avec Karim Dridi, tout ça, là? Zahma, là, il donne des cours de solfège dans le tableau, là, 1, 2, 3, là. Putain, quand j'ai. Oh, j'ai failli. Heureusement, il y avait l'échafaudage, je me suis quelqu'un, là, et tout. Oh, je serais en enfer, là, putain. Rien d'oublier. Donc voilà, messieurs, dames, Don King, qu'est-ce qu'il faut Jamel Debbouze avec la kippa, mais de lamentation, clair, oui. Et ses parents, ils sont à Tiaz, à Zbis, à Tiaz et Pirsouj. Voilà, Jamel Comedy Club, tout, les stars, là. Les stars, encore, ça va, tu sais. Il n'y a que pas des enfants, eux, on va savoir, tu sais. On va voir les autres, là, les Européens lambda, tu sais. Lambda. La lambada, tu sais, qui se rappelle la lambada? La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce qu'il fait? Jamel Debbouze, nous de la montagne. Sur les Ahmad, tu crois, Mohamed? Oh, la vérité sur l'histoire de Volvo Morocco, tout ça, tu sais. L'actualité du Maroc, wallah, je m'en battais les couilles. Tu sais, jamais j'aurais dit la parabole, tout ça, tu sais, deuxième machin. Je m'en bats les couilles. Mohamed Sadis, notre roi actuel, Hafidullah, Rabbi Hafidou Shafi, Amin. Je ne l'ai jamais calculé, moi. C'est le roi, c'est tout, quoi, tu sais. Enfin, c'est tout, alhamdoulilah, quoi. Hassan Tani, t'as vu? Quand je l'ai vu la photo avec des stars sur Facebook, là, tu sais, avec Jamel Debbouze, même avec l'autre sous la lunette, là, le clan d'Osby, là, comment il s'appelle, j'aime bien lui, moi. Bon, là, j'aime bien ce qu'il fait, bon, des fois, un peu, à coup, ma fille, elle m'a dit, oh, pas, je peux plus le saquer, celui-là. Bref,
Ma parole, j'aime bien lui. Comment il s'appelle? Pas grand corps malade. Comment il s'appelle? Ceux qui jouaient avec les autres, là, ils ont fait une petite clica, là. Bref, ceux qui portent toujours des lunettes, le khal, là. Avec sa voix d'opérette, là. Voilà, tu sais. Tu crois, Mohamed Sadis, que depuis. On va pas faire de blasphème, que Mohamed, que depuis Hassan Tani, oh. Blasphème, que ce genre de blasphème, c'est un carapisme. Mohamed Sadis, oh, à 5 ans, 4 ans, il sait déjà tout, tu sais. La politique, tout, 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 ça, c'est. Les autres. Trois, c'est pas ce qu'il y a Jamel Debbouze. Comme il a dit, voilà, voilà le truc, comme il a démarré. Putain, je me rappelle, ça y est. Dans le nick de tabac, tout. Mon père, bon, il ne veut pas mettre ça la voiture. Et, parce qu'il ben, c'est très bien, il a peur, tu vois. Il s'est couché de soleil. En y allant, déjà, en y allant. Il s'est nuage avec des rayons comme ça. C'est du chef. Subhanallah. Ça me battait les couilles, tu sais. Au retour, c'est pareil, un autre décor, c'est palais. Subhanallah, tu peux dire que c'est Subhanallah. Allahu Akbar. Ouais, pas, j'avais commencé un texte pour nous deux, tu sais, pour toi. C'est pas le seul texte que j'ai fait pour mon père, Zubi. Voilà, de part, mon père, on fait la, mon père et moi, on fait l'affaire. Ne t'inquiète pas, pas, je vais le finir. Voilà, taf, taf. Je me suis lancé le challenge aussi en même temps. Avec. On l'a bloqué, tu sais, sur YouTube, ça, sur. Les punchlines de Hassan Tani, Zbiou. Il était pas là, Zbata. Los Tacos, là, tu sais, on voulait tous à la maison, avec tout, Constantine, il était pas là, Zbata. Je fais comme les Hélochis font, tu sais. Los Tacos, le sorcier, là. Mohamed Belmedi, la sorcière, là. La sorcière de l'enfer, ce fils de. Sa mère, là, elle et son frère, la Mulhouse, là. Go fast là, on avait été chercher une friteuse et tout. Zahmam, Mohanout, etc. Les deux là, en enfer direct. Quand je sais pas. Mohim. Mais je me suis dit, je vais faire un tutoriel là. Oui là, Hassan Tani, t'as vu. Impossible, mon frère. Je vais de la jungle, ça bien. Depuis le coup de mon père, je fais jahlia, moi, ça fait. À la sauce patate, quoi, je le ferai, puis c'est tout. Ou je suis en train de le faire, petit à petit, dans. Ouais, j'ai vu. J'ai pas vu mes vidéos, mes autres vidéos, là, que j'ai fait, là. Allez. Comme, fais le bien, oublie que t'as fait le bien, tu vois, tu sais. Pareil, j'ai que ça à faire, moi. Ouais. Parce qu'il paraît, YouTube, ça paye quand t'as des followers et tout, tu sais. Bah, c'est pas un problème, le jour où je vais vouloir blinder mon. Ben, tenez, partage. Partage. Jusqu'à t'arrives à un certain nombre. Je connais pas leur règle que tu vois pour qu'ils puissent t'endorser comme M. Nassim Bouchrit quand il est sorti de la Musique Académie de Nancy. Il allait se faire endorser par toutes les marques de batterie, quoi, t'as vu. Voilà, Nassim, M. Nassim Bouchrit, M. Tarim. La même chose. Sauf que c'est dans la musique, lui c'est dans le cinéma, t'as vu. Voilà, et avec pas le même vécu aussi, tu as vu, tu sais. Tahiro, alhamdoulilah, tu vois, tu sais, il a grandi bien avec ses frères, tout, c'est bon, ok, comme nous tous on réside, tu as vu, tu sais, mais. Va voir l'enfance qu'il a eu, Mskin. Mr. Nassim Bouchrit, il a une enfance de Mkawé, de Mnik, Zabir. Voilà. Ah, je l'ai vu hier, c'est vu, on voulait même pas monter. Donc voilà. Tutoriel à la Hassan Tani, à la sauce patate, quoi. Et puis en même temps, je suis en train de monter le projet là. Bon, Farid Boukezoula, où je vais trouver ton numéro, ben, je vais te pêcher sur Facebook, et puis c'est tout. Voilà Farid, les Rootsmen là, minimum, on a joué au moins 6-7 ans ensemble, 8 ans, 8-9 ans ensemble. Donc voilà, Farid, j'aimerais récupérer nos sons, quoi, t'as vu. Et puis des photos, tout ça, tout, tu sais, histoire d'avoir un petit peu de matière pour pouvoir monter un projet et tout. Puis Karim Dridi, je ne sais même pas quoi il ressemble celui-là. Allô, voilà, tap, ouais. Ça nous intéresserait de faire un autre projet, mais. Alors Michael Jackson, c'est bien une scène à la Michael Jackson et puis des gros verses à la Weller, t'as vu. Eh ouais, cousin. Why not? Tout est possible. Donc voilà, quoi.
pu avoir de tabac, cousin. J'ai mal au ventre un peu là. Ça fait mal un peu. Donc voilà quoi. L'Ostakos, comment s'est passé le speech? Je vous ai vu. Il faisait comme ça dans mon salon, je ne l'ai pas surpris qu'une seule fois, je l'ai surpris au moins 5-6 fois comme ça. Là. Il faisait ça. Jusqu'à l'autre fille. Mon petit Lotus, là, il l'a vu faire ce que je vous ai montré, là, il l'a vu en live à la mosquée. Donc si l'autre fille l'avait à la mosquée, donc forcément d'autres personnes l'ont vu. Donc voilà, c'est un sorcier ce fils de pute, c'est un diable. Comme j'ai vu Imam Iblis Tamis, là, Cheikh de l'enfer, ça fait. Oh, d'où t'es? T'es qu'un imam, bâtard. Pour arriver à Cheikh, mon frère. Vas-y, va. Va. Quelle prétention, Zepi. Que Mohamed Ali, là, dans la fois, là, mon pote bipolaire, là, mon pote qui fait du rail. Bâtard, passe un message, là. Passe un message, passe un petit bâtard. Faut que tu parles bien de monsieur Anajar Yahya, là. Sale clochard. Ouais, il faisait du rail depuis. Que j'ai allé, il faisait du rail, bâtard. Du rail. C'est oriental, ce bide. Rail, ça m'a tiré, rail. Pourquoi rail, rail? Rail, rail, ce bide, rail, putain. Putain, le Mohsin. Mohsin, monsieur Hadj Sayab. Mohsin, ben mon béliard, je sais plus où il est lui. Tam 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 tam, putain. Bref, voilà, on a eu des peines dans notre vie, voilà. Messieurs, dames, j'ai pour projet de remonter les Rabodab style, Inch'Allah, bihaoulillah. Celui qui veut venir, marhaba bih. Celui qui me dit ta, dégage, nique ta mère. C'est tout. Voilà, on va. Notre premier concert, là, Inch'Allah. Bon, on va faire des tributes au Bob. Pourquoi pas des tributes à Michael Jackson, Zebi. On fait tout, nous. On sait tout jouer, les gars, nous. Eh ouais, cousin. Nous, on sait tout jouer, les gars. À notre sauce, quoi, t'as vu. Voilà, pour Residence, là, un studio qui est en train de se monter, Inch'Allah. Bah, je vais poser mes couilles un peu là-bas avec eux, t'as vu, tiens. Le petit jeune homme là, il fait des instruits à 50 euros l'instru et tout. Ça retourne, ça va. 50 euros une instru. Mais t'es un malade, toi, ils savent pas le boulot que c'est. Comme quand tu fais des portables là, tu sais. C'est du boulot, les gars, ouais. Ça peut prendre des jours, hein, si tu veux faire un truc la classe et tout. Ça peut prendre des nuits, ce pire. Juste pour une seule instru. Après, quand t'as l'habitude, quand. Si tu veux, Zama. Moi, si je me lance dans une instru, perfectionniste comme je suis, fou comme je suis, l'instru, je vais mettre une semaine pour faire juste l'introduction et un passage de B. C'est fou, toi, quoi. Là, la formation, elle m'attendait, là, à Paris. Elle a démarré le 29 août. Zama Studio, tout ça, là, tu es ingénieur du son. Taz. Qu'est-ce que ça va faire, là. Bon, territoire habitant, les samedis, allez, lundi, je rappelle. Alors, le bail, là, c'est quand qu'il va glisser dans mon compte, le bail. Donc, voilà, ouais, les gars, réunion, Abdelil, putain, tu m'aurais répondu, Abdelil, on serait pas là, t'as vu. Enfin, j'en serais pas là, t'as vu. Bon, fiacher, pareil pour Ibrahima, là, tu sais. Pourquoi tu me réponds pas, Hadjlil? Ça veut dire quoi tu me réponds pas là? Ça veut dire Zama, je vais comprendre à moi tout seul. T'as pas le droit de pas répondre, Zébi, pour un truc comme ça, Zébi. T'es obligé de m'expliquer, putain. Oh. Saldino. Les gars, je leur dis, Jasmine, là, j'allais aller à Saint-Gélé, en delta plane, Zébi. Heureusement, j'ai pas pris un rail de coke. Moi, j'ai jamais touché la cocaïne ou là. Ah putain, ouais, un bon petit joint là. Je l'avais oublié celui-là.
Direct, là, je vais me l'enfiler direct. Je fais mes petits tubes, tranquille. On en est où? 15 minutes déjà, t'as vu? Je vous fais des tutos de l'enfer, ma bande de bâtards, moi. Ni préparation, ni... Ni Al-Hassan Tchani, cousin, la sauce patate, quoi, t'as vu? Ma mère, là, elle m'a envoyé un message, j'ai vu... Voilà, maman... Reste tranquille, maman. Je t'aime de loin, maman. Si tu me vois dans la rue, maman, t'as à déguerpir. Maman, parce que je te fais la tchipahdi, là. Comme tu m'as fait toute ma vie la tchipahdi, là, maman. Putain, merde, concentre-toi, ça. Ma propre mère, Zabi. Ma propre mère, une sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de l'Ostakos, Mohamed Belmedi, de son frère Gofas? Qu'est-ce qu'on va dire de la mère Ababsa? Qu'est-ce qu'on va dire de l'autoglacie, là, tout le monde? Jamoua, il arrive avec sa cape de Batman, Zabi. Tous les matins, le vieux, lui, il est venu personnellement chez moi. Mon premier tasage, tu sais, en 99-2000. Et ils l'ont ramené le soir, là. Il a écrit un truc en arabe. Il m'a dit, mets ton pied droit dessus. Mets ton pied gauche, ton pied droit dessus, je sais plus. Après, il m'a allongé sur le canapé, sur le fauteuil. Et il a commencé à mes poings, ses poings, comme ça. Comme tu pétris la pâte, là. J'allais faire caca dans ma culotte, Zabi. Il m'a pété mon ventre. Regarde le serpent là, imagine ce serpent là-bas. C'est ça donc, hein? Carrément, oh, t'as déjà vu le mec qui veut se marier à tout prix? Tu l'as devant ta gueule, Zabi, mais je parle de quelqu'un d'autre, t'as vu? Pour pas le griller, il va se reconnaître, t'as vu? Wesh, le gars, il voulait se marier à tout prix. Là, ils ont ramené lui, tu sais. Ils ont ramené lui pour faire le halal, tu sais. Avec ses numéros, il fait des numéros des cartes. Je parle dessus des glaces, Zabi. Ce qu'il a dit le prophète, ça va, salam, pour ces gens-là. Balle dans la tête direct. À l'époque, coupage de tête, tu sais. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Elle est belle, cette musique. C'est du live, ça, cousin. Voilà, t'exploses de rire. Oh, l'autre fille, bâtard, les portes, ça se ferme, putain, j'ai trouvé la porte des toilettes ouverte. J'ai trouvé la salle de bain allumée. Et j'ai trouvé la porte d'entrée ouverte, Zabi. Oh, l'autre fille, ferme les portes, putain, Je te tricarde ta race, là. Tu dors plus à la maison. Voilà, qu'est-ce que je suis. Bon, celle-là, elle est mal faite. J'ai assez de clopes, là, c'est bon. C'est le wax, oui. Tu peux te t'avoir pour le wax. Samedi, pas un euro dans les poches. Donc voilà, il y a plein de sujets à aborder. Le sujet premier, c'est... Si je refais. Avec le din, avec la religion, tu peux pas faire de compromis, impossible. C'est impossible que tu puisses faire de compromis, sauf cas exceptionnel, t'as vu, tu vois, t'as nia, tu sais. Genre, t'as le droit de mentir pour réconcilier des gens, t'as vu. Tu vois? En temps de guerre aussi, tu peux mentir. Alors qu'en temps normal, même pour rigoler, t'as pas le droit de mentir. Pour rigoler, en rigolant, t'as pas le droit de mentir. Hein? Pas de compromis avec le hijab, avec le voile, avec le zif, t'sais, avec le fichu, le torchon, t'sais. Qu'elle sort en gilbeb au bled, elle l'enlève, elle le met par terre, puis elle se fait défoncer, t'sais. Vous avez compris? Bref, c'est du high level, t'as vu, t'sais. Moi, j'ai pas trop les mots pour ça, ni l'instruction, ni... Mais j'ai le feeling, t'as vu, alhamdoulilah. Les blancs ne savent pas sauter, Zabi. Ouais, t'as beaucoup de solfège par cœur, tout ça, là, tu sais. Des armes, tu es rapide, tu fais des trucs de fou, tout ça, tu sais. Juste un doigt, Zabi. Je te dis que ta mère, pas toi. Voilà, avec le djinn, le voile, c'est obligatoire. Le voile, votre collagène, votre Kim Kardashian,
génération de Talma, il va éclater sur Jupiter. Oh. Vous êtes folle ou quoi, oh? Lisez Residence Cities, P.O. Chic, même les sourcils, les femmes, elles n'ont pas le droit de toucher leurs sourcils. Alors imagine les tatouages là qu'elles font là. Oh là, ça fait. Oh, quand je vois une femme tatouer des sourcils, je me casse direct et foutre, ça fait flipper sa mère. Donc voilà. Chacun à son niveau, voilà. Avec humilité, avec. Voilà. Oh, on est que de la merde sur Terre, Zubi. On est tous de la merde, putain. Oh. Oh, un bouton, il te nique ta mère. Oh. Un seul bouton, j'avais là. Un moustique là, il te pique là dans l'œil, ça y est. Oh. T'es dans le nick, Zubi. Oh. Ou une guêpe. Oh. Oh, tu sais, live là que je vois, par Allahu Akbar Subhano, je ne les ai jamais écoutés de ma vie. Là, celui-là, là, à que nous bataillons, Zubi. Le live, il n'y a pas mieux que le live, les gars. Là, tu vois vraiment les autres en studio, tous les tricheurs, les vocodeurs. Voilà, la salade, c'est obligatoire. Obligatoire, la salade. Comme ils disent la clé, là, j'ai vu sur Facebook, là. Maghreb, Dhuhr, Asr, Fajr, Dhuhr, Asr. Le minimum, les 5, là. Je crois, Aïcha, je t'ai mis le pardon. Minimum. Après, oh, dans le din, là. Non-stop, quoi. Tu peux faire Sayyam, tu peux faire Qayyam, tu peux faire rajouter des rakat en plus, tu sais, avant le Dhor, avant 4 avant le Dhor, je sais plus comment ça s'appelle, là, Rawatim, un truc comme ça, là, tu sais. Celui qui fait ça direct, il a le paradis, direct. Garantit le paradis. Le champ de bataille, t'as pas le droit de déserter le champ de bataille. Tu désertes, tu désertes le champ de bataille. Tu rentres pas au paradis, cousin. Oh. Les liens de parenté. Le trône de Allahu Akbar, ils sont accrochés. Les liens de parenté sont accrochés au trône. Au trône de Rabbi Subhanahu. Ceux qui Zama, ils ne parlent pas à sa mère, ou à son père, ou à son frère. Ou... Dans le nick, pour 50 centimes, je te parle. Il y a des choses pareilles, il y a des choses exceptionnelles, tu vois. Tu sais, que même des savants, ils vont dire, je ne sais pas, quand tu t'as vu. Même des savants. En même temps, c'est facile, à fond la caisse. Mais en même temps, cette facilité-là pour l'avoir, Zubi, faut y aller, cousin. Faciliter la religion. Talab al-ilm, ça veut dire l'étudiant en sciences religieuses. De l'islam, tu sais. On va pas étudier la Bible. Même la Bible, le Torah, normalement, tu dois les lire et tout, tu sais, pour voir, pour comparer, tu vois, tu sais. Si tu veux t'instruire, quoi, plus encore, tu sais. Bref, ce que je voulais vous dire. Allez, je roule le pétard. Où t'as vu un taliban clair, oui? Où t'as vu un afghan, qu'est-ce que j'ai, taliban? Taliban, ça veut dire étudiant. Alors, c'est quoi le message? Regardez les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jamais elles ont mis la burqa ou leur truc et tout. Rabbi l'a dit, on veut qu'elles ramassent sur leur grand voile sur elles, quoi, tu vois, tu sais. Ça veut dire que de la tête, tu vois, tu sais, sur elles, quoi, tu vois. Déjà à l'époque, l'honneur et tout, tu sais, elles étaient couvertes, on voyait que leurs mains, tu vois, puis leurs pieds pour marcher, quoi, t'as vu. Les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mères de tout. Nos mères à nous, les mères de tous les croyants. Jusqu'à l'Yom al-Qiyama, les femmes du prophète, ça va être les mêmes, tous les croyants. Comme le prophète, ça va être le dernier soir, le dernier message, jusqu'à l'Yom al-Qiyama. Pourquoi? Parce que Allah a décrété, après la Bible, après la Torah, les juifs, après la Bible, les chrétiens, les croisés, là, tu crois, là? Ceux qui ont suivi leur prophète, Sidna Issa, en son temps, Sidna Moussa, Moïse, en son temps, ils ont le paradis, t'as vu? Voilà. Le dernier message, c'est la logique des choses, non? Faut que je fasse un recall. Le dernier message, midi 07. Faut que je prenne une que j'ai bien tué là. Voilà, ça va faire l'affaire. Donc, le dernier message, c'était. Il est où le feu? Il est là. Le dernier message a été envoyé avec le sceau des prophètes, notre bien-aimé, Muhammad.
محمد محمد انا انجلي محمد سيدنا محمد رسول الله l'envoyé le messager lui parce qu'il y a des prophètes qui, ont, qui sont juste messagers tu vois envoyé et messager tu vois t'sais. Le sceau des prophètes ça veut dire tu peux pas tester quoi donc voilà l'islam comme il était avant comme il est maintenant les règles de l'islam la base la règle primordiale le tawhid de la cité et les autres règles hein, le, ils sont intemporels ça veut dire que ça change pas depuis la révélation depuis que l'ange Jibril alayhi salam a révélé la révélation à notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa sallam ça bouge pas jusqu'à 2021-2008 les règles sont les règles le dernier message Quand il est monté sur le minbar, le prophète, dans la mosquée, là, dans leur mosquée, à Médine. À Médine ou à Mecca, t'as vu. Qu'est-ce qu'il a dit là, il savait, tu sais, Boubacar, tu sais, il commence à pleurer. C'est le message d'adieu, tu vois. T'sais. Wesh, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam tout seul, on est des milliards sur la terre. Et on se comporte comme ça, la honte. Voilà, comme l'a dit le Imam Habib. Imam Habibou, glacé hier, là, au danse du Jamoua. Eh ouais, la honte pour nous, purée. Donc voilà, je parlais des talibans, là, tu sais, là, où, messieurs, dames, avec les Russes, à l'époque des Russes, hein, des Soviétiques, tout ça, là. Les Américains, tous, ils ont voulu commander là-bas, là, imposer leur dictature et leur loi. Ils sont tous partis, là, contre les gens, ce pays. Taliban, les Afghanistan là, commandant Massoud, tu peux pas tester. Regarde Ben Laden, tout ça, le visage qu'il avait. Il avait de la lumière dans son visage. Donc leur speed d'âme, j'y crois pas, moi, perso. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Faciliter la religion. Pas l'inverse, quand tu te dis oui, son message, voilà. J'ai parachevé. Votre religion, dans le message d'adieu, il a dit, j'ai parachevé, ça veut dire, celui qui ajoute un truc que j'ai jamais fait, il est dans le leak, ça s'appelle l'innovation. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam ? Je crains, ce que je crains le plus pour vous, à l'époque, hein. Ouais, j'ai tout mis. Je peux faire des pètes normalement avec ça. Hein. Ça y est, je mets tout, c'est bon. Hein. Je me défonce bien la gueule. L'innovation, le bid'a. Tu sais, bid'a, t'as vu. Lisez juste Riyad Salahin, j'ai lu que le Riyad Salahin dans le deal. J'ai lu maximum 3-4 fois le Coran, toute ma vie, en français. Il y en a, les connaissent par cœur. Bref, chacun son livre. Voilà. Où t'as vu un Afghan, il va rentrer dans le réacteur de l'avion. Alors, vous préférez quoi? L'islam de Raka Belfort, l'islam de Bilal Demba ou d'Imam Lashgar? Ou bien l'islam de Cheikh Youssef Qalawi? Où t'as vu un Afghan, il va rentrer dans l'avion, putain, oh. Voilà les talibans. Amène-moi le chef des talibans, là. Tu sais, j'aurais été le cavalier de Salahuddin, là. À la rigueur, Salahuddin, Sahaba, impossible. Wallah, par Allah, j'ai voulu faire le test, là. Déjà, l'année dernière, je l'ai fait, le test. Je vais voir, là, par la chaleur et tout, tu sais. Je me suis retrouvé. Ils m'ont réanimé deux fois, putain. On marchait en plein désert, tout ça, là. Tu vois? Faciliter la religion, voilà. Moi, je préfère l'islam de mon prophète, tu vois, tu sais. L'islam de mon prophète Mohammed, tu vois, sallallahu alayhi wa sallam, la base, tu vois. Après, voilà, les divergences, les sectes, tout ça, ça a déjà été écrit, ça. 79, ça veut dire 79, ça veut dire vraiment beaucoup, il y aura beaucoup de sectes. En arabe, ça veut dire beaucoup, quoi, tu vois. Donc, voilà, quoi, les divergences, tout ça, tu sais, les meurtres, les coups d'État, tout ça, ça a toujours existé, les gars. Oh.
même au temps de Rasul sallam, Omar ibn Khattab, il faisait 2 mètres, radiallahu anhum, Kamlin, radiallahu anhum, le shaitan en personne, il blisse sa mère en personne, il voyait Omar il se taillait ce bio. Il a été tué en pleine salade, il s'est fait planter, oh. Il s'est fait chlasser Omar ibn Khattab, radiallahu anhum. Donc voilà, les règles de l'islam ne changent pas. Oui, le voile c'est obligatoire. Viendra le. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sur Assalam? D'où est Georges à qui je pourrais rouler des pètes comme ça là? En marocain en plus. C'est... Donc c'est pas l'islam, tu peux pas prendre ce qui t'arrange, t'as vu? Et ce qui t'arrange pas, ben tu le contournes ou tu sais. Inadmissible. Faciliter la religion. C'est pas une famille norvégienne, Zubi, sur un Belfort, là tu vas. Tu casquettes Lacoste, machin, Bob Lacoste, tu vas cracher un gros molard ouvert devant eux comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi ça par les yeux? Je t'aplatis ton crâne jusqu'à il rentre dans ton anus B. Allez, dégage de l'enfer, bâtard. Tu connais de Badis, il crame encore ce bâtard. Oh. Hier, en voiture, il passe et tout, que sa voiture, sa 206 bleue là. Oh, petit bâtard, tu m'as pris pour qui, bâtard? Tu crames encore? Il crame encore ce B. Oh. Encore, je vais le quitter, mais encore. T'as un petit bâtard, tu vois. Là, j'ai allumé cette clope là parce qu'apparemment il faut laisser sécher le pétard. T'as vu, t'sais. Quand t'as mouillé la feuille, quoi, tu vois. T'sais. Ça, c'est qui ça? C'est Ziggy ça. C'est Ziggy Marley. Ça. Donc voilà. Facilitez la religion. Apprenez la science. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez du berceau jusqu'au tombeau puré haut. Jusqu'à Tombouctou même si tu veux haut. Une librairie, il y avait une grande librairie, une grande bibliothèque à Tombouctou, à Tombouctou. Voilà, c'est vrai, de l'islam, tout ça là. L'Empire Ottoman, tout ça. On est venu jusqu'en France, on a tout déglagué. Mais... Voilà quoi, après on s'est fait déglaguer, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a écrit ça, qui a décrété ça. Et elle viendra un jour. Idaja nasrallah wal fath. Wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Les gens ils vont venir en basse vers l'islam. Nasrallah wal fath. Wa ra'aita an-nas yadkhuluna. Ils vont rentrer fi dinillahi afwaja. Les gens ils vont rentrer en masse dans l'islam bientôt. Bientôt, bientôt. Ça veut dire bientôt, les gars. Alors je choisis ton grand bâtard. Voilà, je suis en 2021. L'ère du numérique, l'ère de la pornographie, l'ère de la musique, l'ère de la... Mais je suis musulman quand même. Est-ce que je peux me permettre de reprendre la musique, tout ça, tout et... Normalement, non, t'as vu. Si j'avais vraiment la foi, tu sais. Wallah, je vais reprendre, je vais tout niquer. For the love is being. 36. Appellera 33, 621. Regarde, il va me niquer ma vidéo, ce bâtard. C'est qui ça, 33, 121? Get up. Voilà. Viens ici, taliban de mes couilles, là. C'est le cavalier de la mort, là. Salahdin l'a envoyé. Salahdin l'a envoyé un cavalier juste pour une seule croyante, là, que t'es. Dans les palais de Césarius, là, tu sais, ce fils de pute de César. Là. Tapis rouge, c'est bien. Un seul cavalier l'a envoyé sur la tête. Il lui a dit, je vais t'envoyer une armée de félo craqués au LSD qui vont te la jouer à la flamme. Bien fine et bien moyenâgeuse. On appelle Fiction Zabir. Le dernier encore ne sera pas encore parti de Jérusalem, Zabir.
César Zampio. Allez, je veux pas d'histoire avec ce gars-là, moi. Allez, une croyante, une seule croyante, Zampio. Instantime, instantime, je pense à Hayat, quoi. Moi, je sais pas, c'est bizarre notre relation, t'as vu. C'est pas trop parler, c'est pas trop. Voilà, quoi, mais. Je la marie direct, tu savais là, mais. Voilà, une condition, quoi. Je suis pas légal, t'as vu. D'où un qui aurait pu un jour, j'aurais dit, je suis pas légal, Zampio. Je veux quatre femmes. Je désire avoir quatre femmes. À leur faire tous au moins 10 bébés chacune, Zampio. Ça fait 40 bébés. 40 bébés, Zambéo. 4 femmes, 40 bébés, 10 bébés. Allahumma habli salahin, tu t'es passé le carbet, subhanallah. Je veux 4 femmes. De 1. Qui c'est qui aime pas les femmes? 2. Qui c'est qui aime pas les enfants? 3. Pure provocation, c'est Shafikom. Shafikom, c'est Rabbi. Il me donne 4 femmes. Shafikom, on a de la crème. Shafikom, bande de bâtards. C'est Rabbi qui donne. Oh, pas 10 de mes couilles là, tu crames encore, bâtard! Ah, il est excellent ce shit là. Très très bon. Hein. Oh lolo, j'ai fumé deux teufs! J'ai fumé deux teufs! Bon, l'élastique il est là. Voilà, la temporalité, c'est une bonne boulette là. La temporalité de vos remelés de pute, putain. À la mosquée Fatih hier, le dos de Jamoura, c'était. Voilà. Pour ceux qui ont des biens qui sont. Que Allah il a donné des biens et tout, une situation et tout, qui font du travail et tout, qui font du commerce et tout. Voilà, parce que Fatih, le prêche de Jamoura dernier, parce que Fatih hier, voilà. Payez votre manœuvre avant que sa sueur ne sèche. Avant que la sueur de son front le sèche sur son visage. Payez-le. Je parle en connaissance de cause, j'ai déjà bossé dans le black Zbi. Chaque fois des embrouilles, putain. Ouais, moi tu me sais pas mon argent, moi. Demandez le Xoy Lébé, Zbi, demandez. Demandez le patard portugais là. Bon, voilà. Au moins je sais pas. Mais au glacier, avec Imam Habibi. Imam Habibou quoi, Habib Allah, t'as vu. Bébé Habib, quoi, t'as vu? Il vient dans la mosquée des pères, lui. Voilà. C'était quoi le sujet hier? Voilà, il a parlé de l'enfance du prophète et tout, sur Asselem. Il a une enfance très difficile, t'as vu, sur Asselem. Déjà tout petit. Ferme ta gueule, Bob Marley, putain. Déjà tout petit, le prophète, sur Asselem, il l'appelait le digne de confiance. Mohamed, ça veut dire en fait le loué, quoi. Le loué, c'est-à-dire la création qui le loue, t'as vu. Mais il l'appelait aussi le digne de confiance, putain, oh. À un moment, quand il a grandi et tout, il a voulu se mettre à son compte, t'as vu. Améliorer sa condition de vie, t'as vu, son assalam. Il s'est dit, je vais faire du commerce, t'as vu. Toute sa tribu, là, toute sa clique de Mecca, tout ça, tu sais. Ils voulaient tous que le prophète, il gère leur business, quoi, tu vois. Ils se battaient pour lui, tu sais. Jusqu'à Khadija, radiallahu, la mère des croyantes. Elle était plus âgée que lui, hein. Elle était d'une lignée noble, une très noble lignée, tu vois, tu sais. Khadija, radiallahu, elle avait des caravanes, tout ça. C'était elle, la patronne, tout ça, tu sais. Elle était blindée et tout, tu sais. Il a accepté de s'occuper de ses caravanes. Ce qui est ça, capucine en avant, j'en sais rien, moi. 40 minutes déjà, arrête de conneries. Regarde, hein.
Il s'est occupé de sa caravane jusqu'en Syrie, tout ça là, tu sais, dans le désert. Jackpot, purée. Oh, il a fait gagner. Bref, son commerce, il lui a. Jackpot, purée, tu sais, il a gagné beaucoup d'argent, quoi, tu vois. Beaucoup de richesses et tout, il a cumulé. Jusqu'à Khadija, dans, elle avait, elle va te donner, tu vois, après. Jusqu'à. Ils sont mariés, quoi, tu vois, tu sais, là-dedans. Il s'est marié avec Khadija, elle était plus âgée que lui, tu vois. Donc, le speed des Arabes, là, ouais, je peux pas marier une femme plus âgée que moi. Taz. Donc, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Justement, là, l'exemple, c'est qu'on donne. De le djinn de confiance, nous, à notre ère, là, tu sais, en parlant de l'éducation des enfants, comment tu veux que ton enfant grandisse bien si tu l'exerces pas déjà dans les chemins, dans les choses obligatoires de la religion, quoi, tu vois, comme l'entraide, l'humilité, tout ça, tu sais, la vérité. Comment ton fils, si toi, tu seras le terre-terre, quoi, tu vois. En gros, Imam Habibi, si toi, tu seras le terre-terre, Zabi, tu chies tout le monde à tout bout de champ, tu crois, t'es. Voilà. En gros, et voilà la honte, quoi, de prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai voulu faire le test tout seul. Voilà le dancier au glacier. Voilà, le dancier au glacier, t'as vu. J'aime bien, moi, Imam Habib, parce qu'il termine ça par ses belles doigts, mashallah. Bref. Avec sa voix grave, là, que tu restes. Bref. Voilà le dancier de glacier, tu sais. Voilà. La honte pour nous, putain. J'ai voulu faire le test, là. Comme j'ai voulu faire le test en plein désert et tout, tu sais. Je suis tombé au centre culturel, après je suis tombé devant Ibrahim au marché, purée. Avec ma barre de fer, c'est pire. En pleine canicule. Le prophète, Mohamed, à l'époque de la révélation, tout ça. Mon Rakab Belfort, j'ai vu. Obligé le soir, il a dû rencontrer des tribus, tout ça, des bandits de la jungle, avec des sabres et tout, c'est des colonels barbares et tout. Obligé. Il a dû les tarbag, il a dû les défoncer, le prophète, tu vois. Il a repas avec lui, les anges avec lui. Obligé. J'ai voulu faire thèse. Quand même fort la nuit, tu sais. Imagine depuis 2000 ans. Mon visage, jamais il a été touché partout où je suis allé, sauf à Belfort, c'est bien. Donc voilà. Voilà mes enfants. Voilà mes humbles, mes humbles serviteurs de Rabbi Subhanahu. Là, je m'imagine, je suis quelqu'un sur la minbar, tu sais. Cheikh Darsa Yassine. Alors, on fait quoi? Vous voulez... J'ai vécu ça personnellement, mes enfants. Oh, mes âmes serviteurs d'Arabie. Ça va. On peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on se réveille. Oui, mes enfants. Moi-même, personnellement, je fais des péchés. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le mec, il est au mille bars. Personnellement, je fais des péchés personnellement. Qu'Allah me pardonne. Fais ton péché. Remplace ton péché par une bonne action. Attention mes enfants, Zéna là, direct là-haut. Faut lire le Coran un petit peu tous les jours, bâtard. Oh. Zéna, oh. Attention mes enfants. Oh. Parce qu'on est dans le monde de la Zéna là-haut. Oh. Puis des couilles de notre père, puis déjà dans le ventre de ta mère, t'as entendu sublimer là, Zabéo. Oh. N'approchez pas Zéna, l'alcool, tout ça. Voilà, après je. Voilà, tu. Alors, un autre coup, tu fais un peu pour la science, tout ça. Mais là, la priorité aux choses prioritaires, là, oui. Là, je vous prends de l'alcool, j'ai envie de boire. Là, j'ai envie de boire une bière, là, Zabi. Ce que je peux me permettre, ben, je préfère boire une bière qu'aller. Qu'être un taliban, Zabi. Voilà. Regardez l'Afghanistan, le taliban, là. Regardez le taliban. Allez, j'ai un sabre, là. Il est où le chef, là, avec son équipe, tu sais. Je les tranche comme ça. Je les tranche comme ça. Toutes les têtes, elles tombent, Zabi. Allez, dégage ta limande, mes couilles. Allez. Putain, écoute l'orgue, ça pire.
Carlton Barrett. Et c'est du live ça, c'est pas du studio les gars. Je l'ai jamais, first time je l'entends celle-là là, en live. Fais ça, j'ai bien. Ouais, j'en ai marre de le faire, j'ai encore les traces là, regarde. Ma parole, les empreintes digitales, elles ont été trafiquées, ben là, ils vont plus me reconnaître au comico. Comme ça, rien. Wesh! Wesh, wesh, 50 ans, tu vas faire le terre-terre encore ce bio! Qui m'aime me suive? Celui qui me respecte pas, je respecte pas. Celui qui m'aime pas, je l'aime pas. Mais pour tout ce que je vous dis là, pour deal, pour moi. Si vous m'écoutez pas, qu'est-ce que je vous dis? Allez tous niquer vos mères en enfer, bande de bâtards. Je sais pourquoi je dis ça, putain. Oh. Pas qu'une seule fois, j'ai vu des choses de du monde invisible dans ma vie. Pas qu'une seule fois, les gars. Je vous dis, quand ma mère elle était enceinte de moi, le père, mon oncle Khalil Sehmed, le père de Haftaloua, ma cousine que j'ai pris pour épouse, la pute là, son père, il lui a récité, déjà, j'étais dans son ventre, purée, à ma mère. Comme elle a dit, mon père, il lui a dit, ouais, tu sais, les voyants de fils de pute, de voyants de mes couilles, là. Ah papa, si je fais plus jamais ça, papa, ça y est. Oh. Il m'a ramené un coup, un truc, mon père, là. Pour que j'arrête de fumer, putain, oh. Un truc, là, tu sais, avec fil, là, machin, tu sais. Ça fout, papa, quoi, oh. Je l'ai ouvert. Oh, j'ai galéré pour l'ouvrir, machin, cutter et tout. 15 000 couches de papier. Des trucs tout brillants, tout. Tu sais, des trucs comme de. Comme des petites boules, des petites bites, c'est brillant, vert, vous jure. Ça sentait bon en plus et tout, c'est. Comme là, j'avais sur le palais il n'y a pas longtemps, là. Des guirlandes, là, comme si c'était des morceaux de guirlandes. Comme si, tu sais, quand tu soudes, là, quand tu fais la soudeuse, la meuleuse, tout ça, ça fait des copeaux. Voilà les copeaux. Des copeaux brillants, argentés, comme des guirlandes de Noël. À côté de la porte de mon père. Ça, c'est de la sorcellerie pure et dure, ça. Les trucs, là, comme une tige. Avec un truc comme ça qui fait comme ça. Que ça fout là, ça, là. J'ai vu plein de fois dans la cage, ça. Oh, les sorciers. Ce qui fait. Alors, ce qui. C'est simple. Oh, Earth Planet, là. Tout ce qui est en rapport avec Sihar, la sorcellerie. Je suis devenu. Je suis devenu, comment dirais-je, master blaster, Zahmati. J'ai un master en Sihar Zabi. Voilà, on va rester humble. J'ai un bac plus 45 en Sihar Zabi. Sihar partout Zabi. Si je vous dis lui ou elle, il est tasé, vous pouvez me croire, il l'est. Et pas qu'une seule fois même. Fares, direct, je pense à Fares là. Que Mohamed Belmedine, dans cet accos là, il nous a dit quoi, Kouissien? On parlait de. Tu sais, on parlait de. Il parlait de Fares, de Najia, de ses sœurs, tout ça. T'sais. Par Allah ou Akbar, il parlait de ses sœurs. Ce fils d'un pute. Moi, je connais que Najia, les autres, je connais un peu comme ça de vie. Là. Que Mohamed Belmedine, celui que je vous ai dit là, quand ils m'ont mis la menotte de travers Zambé, oh. Oh putain, oh. Il nous a dit quoi? Moi, Allah alhamdulillah, comme le Walidin, oh Mohamed Mellah, tout ça. Tout à Mohamed Mela, il a fait du Sahur à Najia Zopio. Tu vas voir ça, le fils d'un pute, tu vas voir. Tu vas voir ça, le bâtard, tu vas voir. Direct, Mohamed Vessier. Vous pouvez demander. J'attends. J'entends une bonne nouvelle, t'as vu. Puis aussi, j'allais voir à l'hôpital et puis que je monte sur le lit comme ça, puis je lui pisse dans sa bouche à ce fils de pute.
pareil pour Badis qui a fait chez les Magamines, tout ça, tu sais. Genre, Badis, il me dit quoi, ce bâtard, t'as 40 ans, va trouver du travail devant les autres, là, du terre-terre, tu sais. Dans un petit con. Qui m'a sorti le schlas. J'ai été fait ce jour-là. Il m'a sorti un schlas comme ça, c'est bien. Ça va, il me pointait un peu comme ça. Mec. Tu vois, ça. Il m'a dit, la crème, tu vas voir ça, le bâtard. Le 27, j'ai rendez-vous, là, je dépose plainte contre toi d'abord. Attends. Nawel, petit bâtard. Ma petite Nawalish, là. Bon, le Hossein Boussalem, il va se faire enculer. Il va se faire. C'est bon, je lâche l'affaire avec lui. Je voulais vraiment. Ali Boussalem, tu sais. Allah, je savais même pas, c'était pas leur frère. Ali, je lâche l'affaire avec lui, c'est bon. Mais vraiment, si un jour il vient, il me ressort. Il vient crâner encore et tout. Je l'envoie à l'hôpital. Ali. Je lâche l'affaire avec lui, mais si un jour il vient me recasser les couilles là, tu sais. Pourquoi les autres ils le refait pas, tu sais. Il m'a dit, va niquer ta fille. Oh, il m'a dit, va niquer ta fille, putain, oh. Ah, je le loue pas, Ali. Voilà. Revenons-en, Mohamed. Nagi, à son pays. Mohamed, Nagi, attends, Nagi, attends que je te coince là, au petit mot là. Oh, Nagi, oh. Tu trouveras pas mieux que Mohamed. Oh Mohamed, putain, oh. Tu trouveras pas mieux que Naji Azbi. Alors, réconciliez-vous le plus vite possible. Puis faites-nous des gosses, putain, oh. Fares, là, demandez à Karim, Boudjadja, Karim, à Karim Zabi, c'est con, là. Il a tout bel fort. Jusqu'à Saturne, ils doivent de l'argent, Zepi. Voilà, Karim. Ils t'ont parlé avec toi, tout le monde. C'est mon devoir de te le dire, espèce de petit bâtard. Va. Karim, lui, comme moi, dans le café, tout ce qui. Pareil, tu sais, tu bloques, tu sais. Tu bloques avec quelqu'un que vous avez rien à commencer, mais tout. Je veux pas de mal à elle, tout ça, tu sais. Je lui veux aucun mal. La petite et tout, fait de la gymnastique, ça fait tout. Oh, Karim, espèce de petit enculé. Comme ta mère, elle t'a dit, comme tout l'arçon est en disant, bio. Voilà. Oh. Il serait peut-être temps, bio. Tu fais quoi? Tu vas rester comme ça? Ta mère, elle veut pas ta mère. Mais ta mère, c'est pas comme ma mère, ta mère, oh. Oh, ta mère, c'est pas comme ma mère, Zabio. Ta mère, je l'embrasse les pieds, Zabio. Alors tu veux quoi, bâtard? Arrêtez que vos slaves, vos 150 000... Zéna, les gars, oh, Zéna, putain, oh, la fornication. Bref, comme moi que la mère de ma fille dans le café, tu sais, quand tu bloques, tu sais, tu te retrouves, tu dis, putain, mais, qu'est-ce que je fous là, tu sais. Bon, tu veux quoi? Tu veux le fait, tu veux une femme du paradis ou là, tu veux... Bref. Pourquoi je dis ça? Il y a 3 ans. 3 ans, là. J'étais en mode bipo, t'as vu, bipo stellaire, tu sais, bipocrate. Je connais le Fatiha, le Mouawidet, les prothétistes, quand on l'a dit, quand on l'a dit, quand on l'a dit, puis 2-3 petites salades comme ça, par-ci, par-là. Comme tu peux t'y déjà. Voilà. Du début jusqu'à l'avenue Jean Jaurès, bio. Le soir, hein, des fois. Je l'ai fait plusieurs fois, ça. Pas qu'une seule fois. Du début de l'avenue Jean Jaurès jusqu'à la fin. Jusqu'à chez Karim. Jusqu'à chez Kader, bio. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين allez dès que je passe un secteur tout allez jette tout dans les égouts, tu sais, dans les égouts là, tu sais, il y a des égouts, tu sais, dans la rue là. Allez comme je fais des fois le soir, c'est je vous mets au défi, allez, viens avec un tracteur, zombie, un bulldozer là, déterre tout ce qu'il y a dans la forêt là-bas, déterre toute la terre, tu verras, dans les alentours.
Tu vas péter les plombs parce que tu vas trouver comme, comme sortilège. Donc voilà quoi. Un soir, je suis venu, il était ouvert, t'étais ouvert Karim. Je me suis posé comme d'habitude ma place là, tu sais. Même je crois que j'ai rien commandé, Zbé. C'était la période d'aller venir tous ta Hebel. Elle était là, elle. La femme avec qui tu vas te marier, Zabi. Elle était là. C'est mon devoir de te le dire, Zabi. Comme ça, sur le mur, t'as rien. Avec mes sacoches, tout. À l'intérieur, fais 9-6, parce que tu peux rester dans toi, tu vois, tu peux te parler toi-même, tu sais. Oh, moi, une demi-heure, Zabi. Jusqu'à. Ils sont tous venus là. Hakim pique-le, tout, l'autre il est venu de la machin. L'autre là, ce qui est au Haps maintenant là. Ils sont tous venus en même temps, Zabi. Par Allahu Akbar, je ne veux même pas les gens. Il est, Karim, il est tasé. Comme Yazid, mon voisin, sa propre soeur et la femme qui l'a fait du bed, ils l'ont tasé. C'est grave de dire ça. Nique ta mère à la puce, je sais. Je te dis, c'est vrai. Hakim Bigle qui m'a volé mes bijoux Pandora. Je me lève comme ça. Je m'approche vers le comptoir. Elle était devant le comptoir. Ta wife était juste à côté. Même tu m'as dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a que j'ai. Je me suis approché comme ça vers elle. Cela, juste là, son visage là ici. Comme dans la société du diable, putain là. Ça fait. Elle a fait une grimace même. Elle a fait. Là, que ça, ça a bougé, là, c'est. Et puis, une grimace, mais je te grimace l'affaire, Zabi. Voilà, Karim, je te l'ai dit. Non, tu harbak. Mais si tu ne crois pas, va niquer ta mère, là. Que je lui embrasse les pieds. Karim, rien à voir à faire avec cette femme. Alors, va te faire enculer. Yazid, mon voisin, ça, là. Je l'ai dit à sa mère directo. Quand j'ai vu ça, cet hiver, quand ton fils d'un pute badis, il m'a slapé sa main, là. Oh, je vois le badis, je vois le Yazid juste devant la cage, je rentrais. Les deux, tout son visage, les deux joues, ils sont froissés comme ça. Ça fait un froissement. Ça s'est froissé, les deux joues. Oh bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oh j'en peux. Niquez vos mères les. Voilà. Qu'est-ce qu'il l'a ta. Oh, madame Kourichi là. Ta propre fille là. Celle qui met son foulard bizarre là. Que mon voisin la carte des chats là. Il y avait un de ces beaux gosses de Strasbourg. Il est venu, faisait 2 mètres zombie. En costume, putain de caisse. Des yeux verts zombie. Il pétait les plombs. Je lui dis viens voir. J'y vais, prends un bon avocat, puis casse-toi de là, j'y prends un bon avocat. Putain, carrément, je l'ai demandé en mariage, et l'eau, cette voisine-là, la carte des chats. L'époque où j'étais en train de ramener des. Ouais, qu'est-ce que je te dise. Elle était là, cette pute-là, non, elle savait très bien où elle est, cette pute-là. Attends, je t'oublie pas, mon frère. Dès que je sais où elle habite, cette pute-là. Je sais pas comment je vais le faire, je le connais lui. Bref, je fais passer le message au Khardesh à la mosquée Fatih. Mon ancienne voisine, tate. Ils la connaissent. À coup, j'ai vu le président ici, là, tu sais. Zaman. La honte, putain. Je l'ai demandé en mariage, cette pute. Elle se fait péter par tout le quartier, ce pute. Fou. J'ai le time, ce pute. Il est midi 41. Ça s'arrête, vas-y, lui. Putain de merde, je vais plus avoir de batterie après aussi. Ah, il sent trop bon ce parfum.
va voir les petits. 1 heure pile. Et 33 secondes. Bon, faut que je le connecte. Faut que je le mette à charger celui-là de pantalon. Chargé ce matin. Je vais t'en niquer. Pétard, il est là.